Salam alaikum. On va calculer l'intensité I à l'aide de la formule. On a I égale à C fois N sur M. I, c'est l'intensité du courant électrique continu. C, c'est le calibre. Petit n, c'est la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. Et grand N, c'est le nombre total de graduations. On prend un ampèremètre, on a le calibre, notez bien que le calibre est 30 milliampères, donc C égale à 30 milliampères. On note aussi que petit n, qui est la position de l'aiguille sur l'échelle, on note bien qu'il est 70. N égale 70. Et grand N, qui est le nombre total de la graduation, est 100. On écrit N égale à 100. Donc, il faut toujours écrire la formule qui est I égale à C fois N sur N. On va passer à l'application numérique. C, c'est 30 milliampères. N, petit n, c'est 70. Grand N, c'est 100. On a remplacé ces grandeurs par leur valeur. Après, on va faire un petit calcul. On trouve I égale à 21 milliampères. Si on veut trouver I par ampère, il faut diviser par 1000. On trouve I égale à 0,021 ampères.